Hey, salut mes boulets et mes boulettes! Vous êtes pour votre deuxième mercredi dans l'antre des boulets qui vous a encore ouvert ses portes. Alors, comme c'est sur le planning, hein, et comme la semaine dernière, ce soir, on retourne sur Icarus. Alors, comme d'habitude, en premier lieu, il faut toujours que je désactive ce petit message. Voilà, voilà, voilà. Hop, on est dessus. En tout cas, j'espère, bah, pour ceux qui ont mangé, que vous avez bien mangé. Pour ceux qui mangent, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que je vais pas trop. Salut Blurry! Donc, comme je l'ai dit, hein. J'espère que vous mangez bien, si vous êtes en train de manger, et que je ne vous donnerai pas la nausée avec ma voix dégueulasse. Alors, on va peut-être passer sur la fenêtre du jeu, ce serait peut-être intéressant. Hein? On n'a pas entendu ton annonce, il a encore mal calé ce truc. Hop. Moi, je l'ai entendu, mais moi, c'est normal. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Alors, est-ce que je peux la relancer, moi, pour que tu l'entendes? Ici. Hop. Il a pas désactivé le message, tiens. Voici la personne avec laquelle je suis en couple. Bon, c'est vrai que je l'ai eu en occasion. Elle avait un peu de kilométrage, mais c'est pas grave. Au moins, elle tient la route et elle coûte pas cher en entretien. C'était bon cette fois? Okay, bon, faut vraiment que je pense à surveiller ce petit détail quand je lance les deux programmes. Alors, on va passer. T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on passe sur la fenêtre du jeu, hein, tu m'aimes. Voilà, il est sur la bonne fenêtre. Moi, je passe dessus. Donc, on va reprendre la partie de la semaine dernière, hein. Donc, celui-ci. T'inquiète, c'est pas un drame, ça. Donc personnage de niveau 5. Je vais avoir. Voilà, j'ai plein de luv qui apparaissent sur l'écran. Pardon. On reprend le même personnage et on va sur la même partie. Parce qu'en fait, dans ces situations-là, il faut revenir sur Open World quand on relance sa partie, si on veut retourner dessus. C'était sur Olympus et il faut bien choisir la partie qu'on a créée. Sinon, pardon. Confirmer l'équipement. Je me mets en privé. Voilà. On est parti pour du chargement long, puisque ce jeu est très long au niveau des chargements. Mais ça reste un très très bon jeu, beaucoup de potentiel. Il peut permettre de passer beaucoup de temps. Après, j'avoue que à des moments, on se lasse un petit peu parce que pour monter les levels, le plus intéressant, c'est la chasse. Et je crois que je ne voulais pas. Voilà. Ça va mieux si je vous active le son du jeu. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de son. Donc oui, le plus important, le plus facile pour augmenter rapidement, c'est la chasse parce que ça rapporte beaucoup d'XP, surtout les prédateurs. Donc les loups et les ours. Le reste, c'est. Ça ramène, mais. Il y a mieux en termes de performance. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'il me fallait que je continue de level up? Artisanal, arbre tech. Ouais, il faudrait que je me dépêche d'apprendre ça. Donc que je gagne un level rapidement. Oh bah on va continuer.
J'ai pas l'impression qu'il y a du repop de ressources, ou alors je ne me souviens plus de ce que j'avais retiré. Mais en tout cas là, il n'y a pas d'herbe, donc il doit pas y avoir de repop de ressources. Bon bah on va reprendre de la pierre. Au début c'est beaucoup ça. Après je vous amènerai à un autre endroit plus tard. Donne-moi ça. Afin de montrer les autres ressources. Ah, il y a des gens. On va faire tomber un arbre. Désolé, le petit wapin. Mais moi j'ai besoin d'expérience. Hop, on récupère ça. On récupère son squelette. On se fabrique des flèches en os, le maximum qu'on peut fabriquer, comme ça. Ça ramène de l'XP et ça me fait des munitions. Ne te plante pas des touches. Ouais, mon lit est toujours là. On met le petit bout de viande. On le met à cuire. J'entends des bruits de sabots. Ah, là-bas. Redonne-moi mon arc. Il y a quelque chose par là. C'est bon, t'as cuit ta viande. Désactive, y'a pas besoin que tu tournes dans le vide. Ferme la porte au cas où. Du bois. Continue.
je vais fabriquer un comme ça. Parce que je ne peux en fabriquer qu'un seul de toute façon. On va le poser là. Voilà. Si je lui tiens un truc pour monter sur le toit. Oh, y a un loup. Non mais je l'ai raté. Alors un truc, une chose qu'on peut faire, c'est laisser des animaux comme ça à la décomposition. Ça permet d'attirer d'autres prédateurs. Allez, moi je vais un petit bout, ça va me régénérer de la vie. Alors, oui, F, on va consommer ça. Voilà, et puis les autres, vu qu'ils sont à deux doigts d'être pourris, vaut mieux pas, sinon je vais choper N maladie. Il y en a un autre qui arrive. Hop, et lui, je vais le dépecer. Fabrication de flèches. Ah, je l'ai raté. Alors lui, je l'aurais pas à la première flèche. Je l'ai même pas touché du tout. Qui arrive là-bas. Mais... Ah, il voulait pas mourir celui-là. On va devoir réparer des outils quand même. Alors, la réparation, quand c'est des outils qu'on fabrique à la main, on peut les réparer soi-même. Pour ça, il faut aller dans l'inventaire, évidemment. Un clic droit sur l'outil et vous voyez le petit repair qui traîne ici. Ça coûte une de pierre pour réparer le couteau. On va réparer la lance en bois en même temps. L'arc, on répare un peu tout, comme ça je suis tranquille. Alors, ça pompe sur l'endurance. Donc autant dire qu'il vaut mieux éviter d'avoir à réparer ces ustensiles quand on est poursuivi par des prédateurs. Il y en a pas d'autres qui viennent.
Bon, bon, on va aller récupérer son cadavre. Histoire 2. On fabrique les flèches. Toujours fabriquer des flèches après, comme ça. Ça permet de récupérer un peu de place dans l'inventaire. Et de pas forcément tomber à court. De munitions. Alors... Hop, voilà. Je pense qu'à un moment donné, je vais devoir faire un deuxième feu de camp. Excusez-moi. On va faire un petit peu de chasse. Complètement pas fait gaffe, mais il faut que je me désaltère et que je me charge en oxygène. Alors, on boit. Ah, ça va, ça m'a pas foutu la chiasse. On s'oxygénise. Récolter ça, comme ça j'aurai de l'oxyde un petit peu en réserve. Autour de soi s'il n'y a pas un loup qui est pas loin. Ou un ours selon l'endroit où on se situe. Mais ici il n'y a pas d'ours qui apparaissent et qui viennent. Donc c'est plutôt les loups. Allez, monte. Ah, ça doit être un loup que je vois là-bas. Bestiole grise. Oui, c'est un loup. Je vais y arriver à le toucher, hein. Mais il est où? Voilà, viens là. Ah, il me touche d'aussi loin. Sans déconner, quoi. Et voilà, le niveau supérieur est atteint. On va recommencer à faire une maison un peu plus solide. Alors, comme toujours, hein, malgré tout, hein. On change pas les habitudes, fabrication des flèches. Il y a la place, donc on peut mettre ça à cuisiner. On va s'attribuer les points. Alors, donc le premier plus important, il nous faut ceci. Le sol en bois et les murs en bois. Je vais pouvoir faire une maison un peu plus solide. Donc au niveau des talents, qu'est-ce que en termes d'habitation, coûte moins cher à fabriquer, le bois à prix réduit, ouais ça peut être utile, mais
pour le moment, on augmente la capacité de poids de 5%. C'est-à-dire que là, je peux porter 105 kg au lieu de 100 kg. Et dans le solo... on augmente la vitesse de déplacement. C'est bon, tu peux t'arrêter. Du coup, maintenant, je peux fabriquer les murs en bois. Donc, pour ça, j'ai besoin donc de 1, 2, 3, 12. Est-ce que je peux en fabriquer 12? Non, mais ça va être vite réglé. Il suffit de récupérer un truc comme ça. Et on a ce qu'il faut pour en fabriquer 12. Ah non, pas encore assez. Ouais, un deuxième. Hop. Oula, je suis à 104 kg sur 105. Donc on les fabrique. Et normalement, si je ne me trompe pas, je dois pouvoir les remplacer. Voilà, select upgrade type. Donc je peux upgrader directement ce qui est déjà installé si j'ai ce qu'il faut dans mon inventaire pour l'upgrader. Donc là c'est en comme ça, ouais. Donc je le fais normalement. Oui, vas-y. C'est bon, ça doit être sélectionné. Non. Ah, upgrade. Voilà. Donc là, il est passé de la chaume au bois. Et voilà. J'ai des murs en bois. Bon, avec tout plein de saloperies de chaume qui traînent, mais ça va disparaître. Je vais remettre de l'oxyde là-dedans. Et là, il va m'en falloir 9 sols en bois. Il m'en faut 180. Je vais récupérer pas 2 puisque ça va pas m'amener suffisamment. Hop. On fabrique les 9. Et donc là, logiquement, ça upgrade. Et voilà. Donc là, elle est un peu plus résistante aux tempêtes. Ce qui s'avérera très utile plus tard, puisqu'il y a des tempêtes qui arrivent qui sont peuvent être très dévastatrices, et il faudra que je répare ma baraque. Donc les sols, les trucs en chaume, je n'en ai plus besoin. Donc ça va venir là, parce que je crois que plus tard on a de quoi recycler, mais ça il faut vérifier. Donc voilà, on a déjà une maison en bois. L'idéal, ce que je vous conseille avant de vous lancer dans les missions, c'est d'arriver avec la construction des maisons en pierre qui se trouve dans le palier numéro 2 atteignable au niveau 10. Et pour ceci, il faut débloquer le banc d'artisanat et débloquer ceci, le banc de maçonnerie, et après on débloque les trucs nécessaires en pierre pour justement en fait pouvoir les fabriquer. Tout simplement parce que petit chamois raté. Tout simplement parce qu'en fait les constructions en pierre. Est-ce que je vois ma flèche? Non. Les constructions en pierre ne sont pas affectées par les tempêtes. Donc comme ça, vous pouvez partir tranquillement, voyager, vous éloigner en fait, sans vous dire qu'il faut prévoir de revenir
par rapport à une tempête. Est-ce que je vais te toucher, toi, là-bas? Voilà, il a pris une flèche, il va s'en aller et il reviendra. Je finirai par l'avoir, puisque de toute façon, les animaux ne récupèrent pas leur vie. Oh, un loup qui traîne. Allez, il y en a. Cinq. Hop. On dit plus. On récupère son squelette. On va toujours évidemment, comme d'habitude, fabriquer le maximum de flèches. On va faire un petit peu d'exploration. Je l'ai raté. Voilà. Alors, je pourrais le dépecer dans l'eau, mais avec les poissons qui veulent me manger le fiac, je préfère sortir de l'eau pour le dépecer tranquillement. C'est pas celui juste que je vois là-bas. Si, il est là. Dépeçage de loup. Ah, à la pioche. Hop. On fabrique encore le maximum de flèches. On va aller cuire la viande que j'ai. Je pense que je vais fabriquer un deuxième feu de camp parce que. Très vite, qu'est-ce que je peux me débarrasser là pour l'instant? Ça et ça, ça j'ai pas besoin d'autant, ça non plus, ça hop. Voilà, ce petit coffre là est plein. Alors partons en petite exploration. Pas regarder, j'ai pas assez d'oxygène. Je veux partir en exploration, mais je ne fais pas attention à mon oxygène. Pour être tranquille.
Et on part en petite exploration. Alors, l'exploration ne ramène aucun point d'expérience. C'est juste que bah, vous découvrez où sont les choses, les petites ressources comme ça. Là, ça c'est du charbon, j'en aurai besoin mais plus tard. Donc autant le laisser là. On explore. Je ne vois pas d'animaux. Ah, ouais, il y avait un cerf ici. Ah oui, j'avais pas prêté attention ouais, la dernière fois, j'avais oublié que dans ce mode-là, la carte est totalement apparente. Dans le mode mission, eh ben, il faut la découvrir. Désolé, le petit wapin. Il est où? Il est là. Hop. La petite carcasse du wapin. Le petit lapin. Ça c'est une grosse tempête. Alors là, il vaut mieux que je retourne à ma maison, parce que là, elle va être violente et elles font partie celles-ci des plus violentes qu'il y a dans le jeu. Allez, mine-toi.
je pourrais pas vous montrer ce qu'elle risque de faire. Vous aurez probablement après certaines visions. Voilà. Ça c'est notre par là. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a un arbre qui est en train de brûler. Juste là-bas. Donc c'est la tempête en fait. Les éclairs, voilà, bah là vous les voyez bien. Les éclairs, quand ils tombent sur des arbres, ça les enflamme. Et l'incendie, bah on peut l'arrêter quand on a ce qu'il faut. Ou bah on le laisse et il s'arrêtera tout seul quand il ne pourra plus se propager. C'est pour cette raison que j'ai retiré toutes les herbes que je pouvais prendre autour de ma maison pour éviter justement que l'incendie puisse se propager jusqu'à mon habitat. Bon, celle-là, elle a pas l'air d'affecter l'habitat. Ah. Bon, j'ai une bêtise. Non. Là-bas, il continue l'incendie. On voit pas d'autres tours à part celui-là et celui-là. Loin. Commence à se lever. Il y a un autre incendie par là. Il faut que je répare. Voilà. On va attendre que la nuit soit là tranquillement pour. On va attendre les 18h in game. Passer la nuit et se retrouver au jour suivant. Ah oui, ça tape pas loin ou proche. Donc c'est pour ça que pendant les tempêtes, il vaut mieux être proche de chez soi. Là, je sais pas si dans ces situations-là, je peux me retrouver avec ma maison qui crame en prenant un éclair. J'ai jamais eu le cas. La logique voudrait. Ah, j'avais oublié de le définir comme lieu de réapparition. Ok. Ça veut dire que si je mourais, bah, il fallait que je réatterrisse sur la planète. D'accord. Bon, bah, c'est fait comme ça. Hein. Voilà. Toi, je vais t'éteindre. Consomme pas tout ton beau pour rien. C'est le petit matin. Là-bas, ça flambe toujours. Là-bas aussi. C'est pas mal. Jusqu'à ce que je décide d'arrêter d'être un chiotte. Et c'est là que tout est parti en couille, en vrai. Coucou, mon padon. Comment tu vas? Alors voilà ce que ça donne quand il y a un arbre qui prend feu. J'avoue que. Voilà, bon, il s'arrête à un moment, il s'arrête tout seul de brûler. Donc c'est toutes ces herbes-là qui peuvent prendre feu et c'est tout ce que j'ai retiré autour de chez moi pour éviter que ça se transmette. Que ça s'approche trop près de ma maison. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup, donc voilà. C'est assez intéressant. Cette zone ne prendra pas beaucoup feu. Bah écoute, ça va, ça va. On vient de passer une grosse et violente tempête dans le jeu. À base d'incendies de forêt qui se sont déclenchés. Et j'ai eu le son d'un prédateur pas loin. Là-bas, je vois un truc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des cailloux?
petit caillou. Ouais, c'est ça. Je les prends. Ça me perturbera plus la vision. Encore de l'eau 2. Je me recharge. On va aller explorer un peu par là. Histoire de continuer de faire du level up. Et pour ceux qui sont pas très fans de chasse, hein, c'est un peu malheureux, mais c'est le meilleur moyen pour augmenter, comme je l'ai dit, pour augmenter rapidement l'XP et donc le level up. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir bien explorer tranquillement sans se poser de questions pendant les tempêtes, à part se mettre soi-même à l'abri, il faut essayer d'arriver assez rapidement à la aux constructions de pierres qui ne sont plus affectées par la tempête. Et à partir de là, on peut commencer à explorer. Donc, il y a de l'agriculture, hein, comme vous voyez. Là, il y a du maïs. Juste à côté de ma maison, il y a du blé. Donc, il y a de l'agriculture, il y a de la cuisine. On peut faire des petits plats. On peut faire cuire le maïs. Alors, ça fera pas du pop-corn, mais ça fera du maïs cuit. On va aller par là. Pas trop loin en cas de tempête. Il y a un petit loulou qui traîne un peu loin de moi, mais il faut se méfier. Ah bah, je disais un peu loin de moi, mais pas si loin en fait, hein. Mais comment j'ai pu te rater? On le dépasse. Donne-moi ta peau, ta viande et tes os. Voilà. Fabrication de flèches. Hop. Et on continue. Où t'es, tu vas pas pouvoir t'en sortir facilement. Mais laisse-moi te libérer de la vie. La vie est cruelle. Alors, j'ai jamais. Ah oui, j'avais jamais essayé. On peut monter les chutes d'eau. Ça peut être intéressant pour découvrir 2-3 trucs. Hein. Alors, est-ce que ça marche réellement ou c'était juste parce que. Non, c'était parce que le terrain était en pente et que je pouvais monter comme ça. Prédateur. Où est ce prédateur? Oui, j'ai pas encore activé les citations, faudrait que j'y pense, tiens, à voir comment les activer. Parce que je pense qu'il peut y en avoir aussi des belles pour moi. Il est là.
Ah oui, j'ai pas l'habitude dans ma partie actuelle hors live. Ma maison est plus haute de 2 étages. J'ai un peu de mal à la retrouver celle-ci. Alors, on va manger un petit bout de viande. On va mettre ça à cuire. Et on va fabriquer les quelques flèches que je peux fabriquer. Et un loup. Oh, putain, j'ai tiré trop tôt. Voilà, il est là. Hop, là c'est le 2. Et bah écoute, bon appétit Padon, bon appétit Madame Padon. Moi j'ai dans mon jeu, j'ai une quantité de bouffe. On va dire pour le moment correct, mais on arrivera à un moment où la quantité de bouffe elle sera indécente. Tellement je chasse en fait pour monter les levels. Un petit lapin. A pu de petit lapin. Alors, les lapins à tuer, c'est pas ce qui est le plus rentable. Ce qui est assez intéressant aussi quand on chasse, c'est justement si on tue pas l'animal, eh ben on peut savoir vers où il est parti. Donc là, ah, c'est celui que j'avais touché une fois déjà. Donc en fait, ils vont laisser des traces de sang. Donc ce qui nous permet de les retrouver. Les traces de sang, elles disparaissent au bout d'un moment. On entend des bruits. Vu d'ici, en regardant à travers les fenêtres de ma, de
de ma construction, on dirait qu'elle est en train de cramer. Mais non, elle ne brûle pas. Te revoilà, déjà ? Ah ! Je l'ai touché une deuxième fois. C'est un petit wapin. Oh, il y a un loup. Un level en plus à grâce au loulou. Oh, il y en a un autre. Je vais le toucher, ouais. Voilà, viens là, petit loulou. Oh, j'en ai marre, la hitbox, quoi. La hitbox du loup qui fait que tu... Ah, il est bon à réparer, lui. Il fait qu'il te touche de loin. On récupère les monos. On fabrique les flèches. Neuf à fabriquer, qu'est-ce qui va me manquer? Ah, des bâtons. On va récupérer pourquoi avoir des bâtons. Hop. Hop. Voilà, ça devrait être suffisant là. Et il manquera quoi? Oui, des os. Mais ça, les os. Alors, on va se mettre à l'abri. On met une quantité de viande à cuire. Ouais, je vais fabriquer un feu après. Parce que je vais en avoir besoin. Alors, l'arbre technologique. Donc, maintenant que. Donc, on va lier un. Toi, ça, je m'en sers pas des masses. En revanche. L'échelle pourra servir plus tard. L'escalier peut aussi être utile. Qu'est-ce que je peux apprendre? On augmente les coffres. Ah, la pâte antibiotique, ça, on en aura besoin pour plus tard. Ah bah tiens, la cheminée, comme ça. J'ai déjà plus de place. Il me reste mon point de talent. Alors, il y avait quelque chose qui m'intéressait. C'était... Je ne sais plus où. Est-ce que c'était dans le solo? Faible entretien. Non, donc c'était dans le talent. Survie peut-être, chasse. Ouais, c'est pas celui-là. En fait, j'avais un talent. Un moment qui me permettait justement il a plus de bois,
permettez de voir les barres de vie des animaux. Mais où est-ce que c'était ? J'arrive pas à le retrouver. Il faudra que je regarde dans ma partie, dans ce que je possède. Alors, sinon, ici. On va augmenter la quantité d'eau, d'os. Ah voilà, c'est celui-ci. Celui-ci permet de voir la barre de santé des animaux. Donc il faut que j'arrive à me le débloquer. Bon, on va augmenter mon endurance. Et artisanat, donc pour fabriquer la cheminée, il me faut de la pierre et du bois. Ah, pour l'instant, je te chasse pas. Je récupère la pierre que j'ai là. Le bois que j'ai là, je suis trop lourd. Alors, hop. On ramasse ce feu de camp là qui ne me servira strictement plus à rien. Et on va fabriquer la cheminée. Malheureusement, le lit doit rester proche de la cheminée, au moins pour celui-ci. Je vais le ramasser et le mettre différemment. Tac. Ça, on va mettre la cheminée comme ceci, bien le plus dans le fond possible, là. Voilà. Je vais reposer le lit. Je vais le mettre là comme ça, histoire de ne pas prendre trop de place. Hop. Alors, n'oublions pas de le redéfinir comme point de respawn. On va remettre toute cette viande, tout ça là. Je lui mets un peu de bois pour qu'il s'en mette à cuire. Donc il y a plus de place dans la cheminée pour la viande, ce qui est une très bonne utilité. Par contre, je vais me fabriquer au moins un coffre pour y mettre de la bouffe à côté. Les grands coffres. Hop, on en fabrique un. Il est fabriqué. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, je pourrais, s'il y a trop de bouffe là-dedans, transférer de la bouffe de la cheminée à ici. Voir en continuer à en mettre. Et c'est là que je dis que je vais commencer à avoir une quantité indécente de nourriture. Il faut que j'aille boire. Alors, on va peut-être se faire un petit étage à la maison. Ouais. Ah bah non, j'ai pas pris l'échelle encore. Ouais, c'est pas encore pour maintenant. Mais on va le prévoir. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Ouais, ça peut être bien de le faire comme ça. Donc j'ai une petite idée de comment je le ferai. On va encore se dépêcher d'augmenter de level. Excusez-moi pour vos oreilles.
je crois que là-bas il y a quelque chose que je devrais vous montrer. Ouais, il y a une drôle de forme cette ce reste d'arbre. Oui, monsieur le loup. Si je ne me trompe pas, par ici. Ouais. Alors, tout ça sert à rien. Donc, on a à certains endroits de la map. Alors là, c'est fermé, mais à d'autres, c'est ouvert. C'est pas trop problématique, puisqu'avec une pioche, ça s'ouvre. Et à l'intérieur se trouvent des ressources que je n'ai pas encore besoin pour le moment, donc on va pas aller les chercher. Ça sert à rien que je les prenne et que je m'encombre dans mes stockages pour le moment, puisque je ne peux pas les faire fondre, je ne peux pas les utiliser. Mais ces grottes sont dangereuses. On peut aussi tomber malade, ce qui est assez chiant quand on l'a. Là, je pourrais y aller. Hein. J'ai pas trop de problématiques pour y aller. C'est quoi ça? Un couteau en pierre. Un couteau d'épée en pierre. Ouais. Par rapport à lui, bah, il faut la même chose. 40 à 50. Ah oui, il est. Ouais, ça doit être parce que j'ai fait partie des personnes qui ont. Ah, est-ce que ce serait ça? Normalement il n'est pas censé y en avoir sur cette version de la map. Je viens d'apercevoir quelque chose dans le ciel, et si je ne me trompe pas, c'est des gisements de ressources exotiques. Normalement dans cette version il n'est pas censé y en avoir. Ça voudrait dire. Oula, un loup. Ah, j'ai pas fait gaffe. Quand je vous dis qu'il faut faire attention, ça peut vous amener à la mort. Surveillez l'état de vos. De vos outils. Alors, maintenant je suis perturbé parce que s'il y en a, ça voudrait dire que pas spécialement besoin d'aller sur des missions particulières. Ça a l'air d'être une petite. Ouais. Alors ça c'est de l'enzyme. Ouais, c'est des ressources exotiques. Donc en gros, pas spécialement besoin de d'aller dans les missions pour en récupérer apparemment. Ils ont dû les mettre sur la map. Donc ceci, c'est ce que nous, en fait, on est censé récupérer et ramener à la station. Afin de se faire du fric. Bon, c'est pas encore pour maintenant où on pourra les récupérer. Normalement, ma maison en bois là, elle tira. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Je vois une tempête, enfin un bout de tempête plus fort que les autres. J'ai commis une erreur. Est-ce que je vais arriver? Pas loin, par contre j'ai du mal à la repérer vu que elle est de plein pied. Elle est là. Je suis arrivé avant la partie rouge. Il faut bien faire attention parce que peut-être que celle-ci va commencer à affecter mes constructions.
C'est pour ça, comme j'ai dit, avant de vraiment explorer, je vous conseille d'arriver à des constructions en pierre, pour être bien tranquille. Par contre, les tempêtes sont bien faites, hein. On voit bien les arbres qui bougent, tout ça, les... la végétation qui est très agitée. On entend des sons. Ah, elle commence à être affectée. Là, il faut réparer. Si on ne répare pas, ça se détruit. Il y a aussi ça, c'est que bah, les tempêtes peuvent faire tomber les arbres. C'est très pratique, hein. Là j'ai déjà vu deux arbres tomber, donc c'est deux arbres que je pourrais les récolter après. Hop, avant que ça me tombe dessus, je le répare. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut attendre pour bien explorer d'arriver à la construction en pierre. Que là on s'inquiète, on doit réparer quand il y a une tempête qui arrive, donc il faut être présent. Si on est carrément à l'autre bout de la map, autant vous dire que bah, c'est foutu. De ce que je vois de la tempête, j'ai pas fait gaffe. Au vu de ce que je vois de la tempête, j'ai plus rien à craindre. On répare les murs qui ont commencé à s'abîmer. Le sol n'est pas du tout affecté. Tant mieux. Donc on va réparer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme arbres qui sont tombés par les deux que j'ai vu sur le côté? Aucun. Alors on va aller récolter ces deux là.
C'est ce qu'on appelle de l'XP facile. Pourquoi tu tombes? Ah, je suis trop lourd. Je te mets une réserve de bois là. Hop, je vais la rallumer. De toute façon, j'ai de la viande à cuire. Bon, je vais vérifier s'il va pas se mettre à brûler le bois. On surveille, on surveille. Ah, puis j'ai le feu de camp aussi que j'ai plus besoin sur moi. C'est bon, on brûle pas le bois, donc je peux le laisser à l'intérieur en mode stockage. C'est pas gênant. Donc, on fabrique des chevelets. On va récupérer. Le reste du bois qui est tombé. Je sais pas, non, je vois pas les troncs dans ces conditions là. Les troncs ils disparaissent quand l'arbre il tombe. Oula, 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 fais attention à ta... Je fasse attention au moins. Si je fais pas attention, je vais comment mourir. Alors, pour le moment, étonnamment, l'eau ne me refile pas de maladie. Attends, y'en a un deuxième. Hey. C'était short. Alors, je vais me fabriquer un bandage parce que... je suis blessé. C'était tendu.
était tendu. Deux loups, c'était tendu. Et il commence déjà à faire tard. Et t'as fui quoi toi là-bas? Ah si, il y avait un arbre là qui était couché. Il commence ici. Voilà, je suis de nouveau trop lourd. Pour 1,8 kg en trop. Du bois ici en réserve, fabriquer des flèches, non j'ai plus ce qu'il faut, logiquement il va me dire que ouais il n'y a pas de feu, donc là, il faut vraiment qu'il y ait un feu, ça c'est embêtant, mais on va en profiter pour cuire de la viande et on passe au petit matin. C'est le petit matin. Ah, j'en suis là. Intéressant. Ah, on va abattre un arbre. Je vais abattre ce truc-là qui... Je trouve pas ça joli dans le paysage. Ça va pas me rapporter grand-chose, mais... visuellement ce sera plus intéressant. Voilà. On va mettre du bois en réserve. Allez, je vais en mettre là. Tac tac. Je vais abattre un arbre. Kili, comment tu vas? Tac, tac, je commence à avoir un bon saut de bois pas possible. Faudrait une bestiole.
Bah écoute, ça va nickel, ça va nickel. Un Bambi. Un pute Bambi. Au moins, je t'ai touché. Allez, je crois que je vais mettre la viande que j'ai récupérée là à cuire, comme ça, ça consommera le feu, le bois pour ça. Tiens, dis-moi, vu que tu m'as dit que ta madame, elle l'avait acheté Icarus, est-ce qu'elle l'a commencé, Kili? Et alors, une fois qu'elle l'a en main, qu'est-ce qu'elle en pense? Par rapport à ce que j'ai expliqué, tout ça, sa petite prise en main personnelle. Ah, je t'ai raté. Pas deux fois. Bon, qu'elle s'accroche quand même, hein, parce que comme beaucoup de jeux du genre, il y a énormément de farming à faire. Surtout dans celui-là, le farming dans celui-là. Animal à tuer. Histoire de faire du level up. Ouais, les tempêtes, c'est une catastrophe quand tu maîtrises pas, mais je vais réexpliquer. Coucou Bad Day, comment tu vas? Alors je vais réexpliquer un petit truc, comme ça tu pourras transmettre à ta femme Kili, sauf si elle est là et qu'elle regarde en même temps. En gros, moi, bon là c'est en mode normal, il n'y a pas de mission, mais ce que je conseille, avant de démarrer les missions, c'est au moins d'arriver dans le palier 2. Écoute, ça va nickel. Tu viens découvrir Icarus, ou tu le connais déjà? Donc, Kili, ouais, faut que ta femme elle arrive au moins au palier 2. Le premier truc à débloquer du palier 2 qui est nécessaire, c'est le banc d'artisanat. Et d'arriver jusque ici, le banc de maçonnerie, pour pouvoir fabriquer faire des constructions en pierre. Et une fois que tu peux faire ça, que tu peux les fabriquer pour avancer dans les missions et dans le jeu, c'est beaucoup plus facile parce que bah justement, les tempêtes, elles n'affectent pas les bâtiments en pierre. Donc au moins, tu peux te balader sans te dire qu'il faut que je revienne, que je sois présent pour réparer ma petite base pendant une tempête. Donc vraiment, c'est à partir de là que tu commences à bien explorer le jeu. Et pouvoir un peu t'éloigner. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être utiles, hein, qu'il faut. Alors, où est-ce qu'il est? Ça peut servir, hein, pour avoir de l'eau, on va dire, traitée. Celui-ci, alors ça, c'est très important. Alors, oui, en fait, quand ton personnage, en fait, quand tu quittes le mode open world, par exemple, comme là où je suis, tu retournes sur le menu
Et ton personnage, il a gardé sa technologie, ce qu'il a appris, tout ça. Donc, tu peux très facilement évoluer sur l'open world, qui est honnêtement beaucoup moins contraignant parce que t'as aucun chronomètre pendant que t'es dessus. Mais bon, après, le chronomètre, il peut être très très long. Hein. Et après, tu choisis une mission, tu fais ta mission et tu y arrives avec la technologie que tu as débloquée. C'est-à-dire que tu vas démarrer. Quand moi je démarrerai les missions, j'aurai déjà au moins de quoi avoir la possibilité justement de faire les bâtiments en pierre. Mais au départ, je fabriquerai une maison en bois parce que faut pouvoir poser certains appareils, certaines choses pour pouvoir justement faire les fabrications en pierre. Est-ce que toi, c'est un que je t'ai déjà touché ? T'es raté. T'es bloqué. Apparemment, je l'avais peut-être déjà touché ou pas. Y'a là le loulou. Mec, t'es niveau 1. T'aurais dû mourir avec la flèche. Hop. Ah bon, on va devoir réparer tout ce que j'ai là sur moi. Alors, on répare tout ça. Donc, oui, je profite, j'aurais dû l'arrêter, mais voilà. Donc, maintenant, ici, là, faudrait que j'apprenne ça, mais ça va me consommer les trois. Alors, est-ce que j'ai pas autre chose qui me serait utile? Ça, les torches comme ça. Three, two, one, ignition, and lift off. Coucou Yuna, et merci pour ton follow, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à te présenter sur le chat si tu te sens le cœur de discuter. Donc ouais, la torche, le séchoir, je m'en suis jamais servi. Est-ce que ça peut être utile? Ouais, on verra. Je verrai. Ouais, on va faire la torche à bois, comme ça j'aurai une torche. Ah! C'est Madame Kili. Eh ben, bienvenue à Madame Kili. On va faire la lance en bois et le couteau. Enfin, la lance en os et le couteau en os. Les talents, j'avais dit qu'il me fallait. C'était celui-là, donc il faut que je prenne celui-là. Et au prochain, normalement, j'ai celui-là. Ah, il est très prenant. Au bout d'un moment, tu vas te dire qu'il est très répétitif. Parce que là, comme tu. Si tu regardes bien, je chasse énormément. Parce que. Il faut quoi. Il faut augmenter les levels, faut monter tout ça. Et c'est la chasse qui ramène le plus d'XP. Mais ouais, moi quand je l'ai découvert et que je m'y suis mis, j'ai passé pas mal de dizaines d'heures dessus aussi. Et autant te dire que même là, je ne connais pas tout. Alors elle est où ma lance? Elle est là, je vais la mettre. Ici, toi je te mets là. Toi je peux t'éteindre, ça sert à rien que tu consommes tout ton bois. Faudrait que je fasse un petit peu de stockage ailleurs ou que je me refasse un coffre à côté. On va faire un autre coffre. Pour stocker un peu toutes les merdes que j'ai pas besoin en nombre sur moi. Hop. On essaie de bien positionner. Vas-y. Hop, 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 hop. Tac. Hop, voilà. Alors, le cuir, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Ça non plus. Celui-là, je vais le garder. Ça peut rester là.
Ça, on peut les mettre là. Ça, j'en ai pas besoin du tout. Oula. Ouais, forcément. Il m'a vu. Il a pris sa flèche quand même. On verra quand il repassera. Est-ce que j'ai une mare de son, une tache de sang qui traîne? Il m'a pas laissé de traces de sang. Oh le vilain. Ça, je peux pas le laisser sur moi, ça me sert à rien. Le lapin, ouais. Là, ça commence à devenir les lapins plus nécessaires de les tuer vu que ça ne me rapporte plus grand chose. Donc les lapins, je les laisse en vie. Je préfère les loups parce que c'est, comme j'ai expliqué, les prédateurs rapportent le plus d'XP. Ouais, il y a énormément de tempêtes selon les moments, selon les comment le jeu a décidé de t'emmerder. Mais comme j'ai dit, ouais, il faut que tu arrives aux constructions en pierre pour plus être emmerdé par les tempêtes. Une fois que tu auras les constructions en pierre, ça ira tranquillement. Sinon, il faut que tu fasses, j'espère que tu l'as fait, hein, le marteau de réparation. Ce qui te permet pendant les tempêtes de réparer pendant la tempête. Et moi, je vais mourir comme un gros caca. Parce que je fais pas attention à mon état dans le jeu. Ok, oui. Oui, eau faible, oui, oui. Et je sais, laisse-moi les boire. Voilà. Ouais, donc le marteau de réparation, il te permet de réparer en même temps pendant la tempête. Donc, mais ouais, n'hésite pas, hein. Pose des questions, tout ça. Ouais, ce qui m'embête pour le moment, c'est que ces grands animaux-là, je leur mets une flèche, je les laisse partir, je leur en remets une autre quand ils passent, parce que j'ai pas encore ce qu'il faut pour les tuer en one shot. Alors, ne jamais partir trop loin pour le moment. Hein. Tout à l'heure, j'ai failli me faire avoir. Il y a un loup, il doit être au-dessus. Il y a un prédateur. Non, c'est un grand cerf. Bon, je m'en fous. Ce prédateur, je pense que c'est un loup puisque comme j'ai expliqué ici, il n'y a que des loups qui apparaissent, pas d'ours. Ah, est-ce que ce serait lui là-bas? Oui, c'est lui. D'où que la flèche elle t'a raté. Voilà, ramène-toi. Par contre ça m'énerve, hein. C'est hitbox, t'es loin mais ils arrivent à te toucher. On se croirait dans des BZ Breakers avec les hitbox. Tape au bon endroit, ce serait bien quand même. Ouais, c'est pas une tempête. C'est clair. Logiquement, c'est pas une tempête qui va affecter ma construction, mais on va quand même se diriger par là, par sécurité.
Ah si, avec ce que je vois, si. Elle va être infectée par une partie de rouge. J'ai du bois sûrement pour réparer. On va mettre la viande là. Envoyer ça en cuisson. Et on attend. Là, toi t'es déjà abîmé. Ah, les tempêtes. C'est en fait sur cette planète pratiquement tout veut ta mort. Oui, les lapins. Excusez-moi. Les lapins, ils sont gentils. Ils servent juste à me faire monter de l'oeil. Avant qu'il me lâche dans la patte. Le plus fort de la tempête est passé. Pour l'instant, je m'estime heureux parce que ça fait que deux tempêtes où je suis obligé d'être présent pour réparer depuis que j'ai commencé la semaine dernière. Sur ce qui reste de la tempête, on devrait être tranquille.
Ouais, comme vous voyez là, en fait, petite astuce, hein, quand vous commencez aussi. Ce qui peut être vraiment une bonne idée, hein, c'est là comme ça, faire une petite maison de 3 par 3. En étant au milieu, vous avez vraiment accès partout pour réparer, donc vous vous placez au milieu, vous êtes tranquille, vous avez juste à tourner pour réparer plutôt que de passer votre temps à vous déplacer. Donc, je trouve que c'est déjà un petit gain de temps. Et de par le fait, une réparation plus rapide. Après, c'est mon ressenti par rapport à mes différentes parties que j'ai fait. Bien que je n'en ai pas fait beaucoup, j'avais fait une partie en avant-poste et deux missions. Y a pas des animaux, y a pas des animaux. Ah, tiens, c'est un lapin. On ne tue plus les lapins. Un petit peu d'oxygène, un petit peu de bouffe. Non, t'es gentil, tu sors avant de fermer la porte, c'est mieux. Un petit peu de boisson. J'ai encore une petite réserve d'oxygène. Peut-être quand même essayer de retrouver un caillou d'oxygène. Récupérer. Voilà, on va ramener ici. Ça fait toujours de l'oxytan réserve. Bon, il me faudrait des bestioles là, hein, des petits animaux. Ouais, toi là-bas. Est-ce que je t'aurais du premier coup, j'ai un doute. Totalement fondé. Ah bah il m'a vu. Alors lui, s'il m'avait pas assez vu, il m'a senti. Que la flèche qu'il a pris en pleine tête, je vais pas passer à côté celle-là. Ah bah.
va pas. Mais oh, oh bon, allez, ça y est, j'ai chopé une maladie. C'est quoi cette maladie que j'ai chopée du coup? Inventaire. Ah. La stabilité du jeu. Ah, apparemment t'as plus de Pokéball, non. Alors regarde sur le. Peut-être que dans ma. Dans la bio, t'as peut-être le panneau avec les Pokéballs. Avec ton récapitulatif. Tu vas dans le. Tu trouves le shop. Sinon, t'as la commande PokéShop, mais je saurais pas vraiment te dire comment elle fonctionne. Mais t'as le petit panneau dans ma bio qui te met une interface graphique. Là, il faut relancer le jeu. Cette optimisation. Voilà, c'est un peu aussi l'un des problèmes du jeu, c'est qu'il peut crasher comme ça. C'est aussi pour ça que je ne le lance jamais en mode DirectX 12. Parce que c'est là qu'il plante le plus, je trouve. C'est aberrant. Donc si t'as ton interface, c'est pas mal. Au moins t'as une petite interface graphique, tu vois tes Pokémon, tu vois ce que tu as. Tu peux voir ton Pokédex. C'est rare ça par contre. Ah, qu'ils me mettent le appuyer pour quitter sur la fin de la vidéo d'intro. Ça sert à rien. Hein. Autant la laisser jusqu'au bout. Alors, sitting, contrôle. En français, fin gameplay, les contrôles là. Est-ce qu'il a gardé celle-là? C'est bon. Tac. Donc là, du coup, tu vas avoir pour relancer en mode. Je vois ici, là en fait, je vais sélectionner mon personnage. Et comme tu vois, je pourrais partir sur un avant-poste ou autre. J'ai l'arbre technologique qui n'a pas bougé. Je peux même vous montrer l'arbre technologique de mon autre personnage. Sauf s'il va directement. Non, ouais. Ouais, il va directement m'envoyer dans la mission donc. Ça va faire un chargement long inutile. Qu'on reprend l'open world, la partie live, confirmer l'équipement puisque j'ai encore rien acheté d'autre. Et on y va, on charge tout ça. Alors par contre malheureusement pour du coup mes deux loups que j'ai tués je pourrais pas les dépecer. Parce que fatalement ils vont avoir disparu. Allez, charge.
Les chargements sont très longs. Il faut être patient. Il faut être patient. Me voilà arrivé. Et voilà, comme je l'ai dit. Ah, il a mis. Ouais. Qu'est-ce que je fous? Ah, j'ai. D'accord. J'ai gardé lui parce que je l'avais sur le dos. Ouais, bah c'est nickel. Ça m'en fait au moins un que je perds pas. Alors là, faut qu'il recharge un peu tous les sons. Alors ça, c'est du one shot. Viens là, comme ça, je te dépasse hors de l'eau et je me fais pas gnocquer le cul. Faut que je me fabrique par contre le couteau en os. Est-ce qu'il est plus rentable que. Ouais. 150% de rendement contre 100%. Donc c'est plus utile le couteau à dépecer en os que celui en pierre. Et puis comme vous voyez, hein, plus on avance dans le jeu, plus ça se dépeuple en arbre. Bestiole. Ah si, il y en a un là. Que je ne tuerai pas du premier coup, évidemment. Non, mais au moins, il commence à s'affaiblir. Il y a bien un animal d'une bestiole qui est passé là-bas ou c'est les mouvements des arbres? Non, j'avais pas rêvé, mais il était loin. Est-ce que je pense que ça par contre Vas-y, donne-moi ton nécessaire à fabrication de flèches. La pioche, c'est mieux. Hop, on va fabriquer des flèches en os.
Et par contre, je sens que... Ah non, c'est bon. Je peux. Hop. Alors, on fabrique 4. Il va me manquer quoi du coup? Ah ouais, non, c'est les flèches. Ça, c'est les ossios. Hop, on va mettre la viande à cuire. Et puis... Ah bah j'avais pas vu l'heure tout à l'heure. Il est 21h58. C'est quoi là-bas? Non, c'est pas utile. Ça sert à rien. 21h58, bah on va s'arrêter là. On retourne à la sélection à l'écran d'accueil, comme ça. Hop. Retour. Hop, on revient sur cette petite fenêtre de chat. Excusez-moi pour vos oreilles. Alors, moi j'espère que ce petit live vous aura plu. Que vous aimez toujours suivre ce jeu que moi je trouve très intéressant. Donc n'hésitez pas, sur les prochains lives ou même celui-là, si vous avez quelques petites questions avant qu'on se laisse là, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez ici mon planning. Alors on vérifie le lien, mais normalement il est correct, il n'a pas bougé, voilà. Donc vous me retrouverez samedi après-midi à 14h pour continuer le DLC du Donjon de Nahalbuck. Vous me retrouverez ensuite lundi après-midi 14h pour continuer Control. Jeu qu'il faut vraiment très suivre au niveau de l'histoire. Et mercredi prochain, je reviens sur Icarus à 20h comme cette semaine. Donc n'hésitez pas à passer me voir sur mes différents lives. Même si vous avez une question sur un des jeux que je ne suis pas en train de faire en live, n'hésitez pas à poser la question. Si vous avez des questions sur Icarus et que vous passez sur le donjon de Nahalbuck ou Control, vous n'hésitez pas à poser la question. Je répondrai avec plaisir si j'ai la réponse, évidemment. Techniquement, dès demain, vous retrouverez donc... Alors, on va pas se tromper cette fois-ci. Voilà. Vous retrouverez donc la VOD de ce live dès demain 18h sur la chaîne YouTube VOD, en plus du replay sur Twitch. Il y a plein de luves. Merci à tous d'être passés. Merci Padon d'être passé. Merci Kili d'être passé pour me dire, pour faire un petit coucou. Merci à Madame Kili d'être passé et pour son follow. Alors, que je ne me trompe pas dans son pseudo, ce monsieur, ou cette madame, il est où? Je ne le vois plus. Voilà, merci aussi Bad Days d'être passé, ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui passent. Moi, ça m'a fait plaisir de faire un live, comme d'habitude. Ou non-binaire, monsieur, madame, ou qui que ce soit. Merci à lui ou à elle ou à Yel d'être passé. Donc, on va vous préparer un petit raid pendant qu'il y a un Pokémon qui apparaît. C'est sur cette fenêtre-ci. On va lancer un petit... On va préparer un petit raid. Il apparaît pas là, pourtant je le vois en live. Il est là. Ouais, donc, ça va être un live différent. Non, je sais pas trop ce qu'il fait. Alors, peut-être que ça va être du montage de meubles. Un conseil, regardez-le, parce que déjà quand il a peint son mur en noir, c'était assez marrant, et il nous promet qu'il est encore... c'est pire pour lui monter un meuble que de peindre un mur. Donc je vous emmène chez
Edraf, qui est un streamer que j'aime, que j'apprécie beaucoup, pour un petit live Ikea, montage de meubles, avec des petits fous rires garantis. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je vais attendre de voir si le Pokémon est capturé ou pas, hein. En espérant que y a pas de que le fait que j'ai lancé, enfin que j'ai préparé pour ça, ça ne l'a pas bloqué. Ouais, il devrait avoir mis quelque chose. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Donc t'as attrapé ton Pokémon qui dit c'est un Triopikeur. Y a plein de luves. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit tout le monde. Et à samedi pour ceux qui passeront me voir sur le donjon de Nalbuk, galérer avec une autre troupe de boulets. Des bisous à tous mes petits boulets d'amour.